Depuis quelque temps, yon train insécurité cap couru à toute vitesse sous territoire national là. Malgré diverses interventions président République là, malgré diverses interventions gouvernement Jovenel Moïse là, malgré tout diverses interventions DG Léon Charles a fait bon côté par yo pour youé si yo ta stoppé train insécurité ça cap couru à toute vitesse sous territoire national là, mais c'est bien malheureux, c'est des efforts jusqu'à présent qui poko ka joine yon réponse. Malgré nous, en pile haïtien a couru quitter le pays, malgré diverses interventions, tout bon côté opposition lui-même qui a critiqué mauvaise gestion président République qui t'a voulu faire connaître ce qui a passé dans le pays, c'est président qui t'a la cause, malgré tout qui a accusé DG Léon Charles et nous connaissons Mario André Sol, c'est un monde qui était passé dans la tête la police là, lui-même tout sous compte Twitter tout t'a envoyé un message by Léon Charles et fait connaître pour DG la police prend toute bonne responsabilité. Alors, journée aujourd'hui, malheureux malheureuse pas suspend à victime sous territoire national. Restez là, nous pourrons porter plus d'informations baou sous dossier si là. Haïti insécurité, Kesni Exantus, c'est yon nan moun la police te mette yon avi de recherche de yel, et bien fort moins nous, BLTS arrive faire yon gros arrimage sous yout aéroport, pardon, alors, et BLTS arrive mette la page sous monsieur, après que la police te mette yon avi de recherche de yel, monsieur, yon te accusé en tant que moun kap fait zam entre illégalement sous territoire national la. Yon te retrouvé yon calibre 9 mm ak 24 touche et sous nom monsieur nan yon conteneur, alors DCPJ te mette yon avis de recherche de yel, alors fòk men di nou jounen jodi an monsieur retrouvé en bas mais la police kap répond question DCPJ, alors BLTS te arrivé mette la patte sous Kensi Exantus sous route aéroport après que DCPJ te arrivé mette yon avis de recherche derrière citoyen si la. C'est toute série information ça nous pral porter pour vous dans rubrique journal nous pour jodi. Déjà na remercier ou même qui regarder vidéo ça ou même qui pral partager ou même qui pral quitter un like sans oublier ou même qui pral quitter un commentaire. Déjà nous remercier ou même qui abonné avec channel là ou même qui toujours partager ou même qui toujours like ou même tout qui toujours quitter un commentaire dans chaque vidéo que nous partager ensemble avec vous sous channel là. Faut me dire ou c'est seule façon ou capable encourager nous dans travail ça n'a fait c'est le ou abonné avec channel là, le ou quitte un commentaire, le ou quitte un like et puis le pas oublier partager vidéo ça n'a gardé là. Ou même quand regarder vidéo qui déjà abonné encore une fois n'a remercier et ou même quand regarder qui peut-être poko abonné avec channel là, n'a invité à abonner avec channel là, une façon pour pas rater aucune information n'a gain pour nous partager ensemble avec vous sous channel là. Je viens de annoncer et Haïti qui gagne une crise insécurité qui blâme l'école depuis bien des temps. Haïti qui gagne une crise kidnapping tout qui blâme l'école sous territoire national là depuis bien des temps. Malgré crise et économique, malgré crise politique, Haïti a fait face. Ça pas empêché la vie chère avec la misère pas suspendre a fait malheureux malheureuse moutillon calvaire bado. Mais ça pas empêché tout bandit à exam continuer à tout pisi population haïtienne. Selon information qui a circulé sur internet là, yota vle fè kwè ki se kidnappé ou te kidnappé demoiselle ça et yo pote ko jam mande yon rançon, alors fòk mwen di nou encore une fois, secteur santé a pas suspend a victime en bamé nèg exam, secteur santé a pas suspend a victime en bamé a tout fè sa yo kap simaye la troublay sou population haïtienne. Malgré nou wè président République lan bon kote pale, pas suspend a fè des interventions, malgré tout président pas suspend a pran micro la presse une façon pour le dire que l'État haïtien a travaillé pour capable venir avec bon gens sécurité dans pays mais ça pas empêché jour et train insécurité ça pas suspend à valider terrain sous territoire national là. Haïti insécurité, la police arrive faire un gros arrimage sur route aéroport. Alors nous capable dire plus précisément BLTS arrive mettre en barcode Kesni Exantus qui c'est un nan moun la police te mette yon avis de recherche derrière en tant que moun k'ap fè zam entrer sous territoire national là
illégalement. Faut que moi dis nous t'ai trouvé sous nom monsieur yon calibre 9 mm ak 20 cartouches dans un conteneur. Alors la police te mette yon avis de recherche de elle depuis bien des temps, y a cherché monsieur depuis bien des temps, la police a cherché contrôle monsieur. Alors BLTS t'est arrivé fait yon arrimage et mette la patte sous citoyen ça sous route aéroport. Yon nan question en pile moun a posé sur tout internet là et yon nan réponse tout en pile moun pour ka joindre c'est nous toujours en Haïti grand cargaison zam kap entre dans pays ya nous toujours pas connait qui côté dossier ça yo passé deux ça toujours passé dans tiwa dossier ça tout c'est dossier enquête qui toujours a continuer quand il s'agit ces grand autorité qui a fait des cargaison zam entre dans pays ya mais nous souvent retour depuis ces petit calibre 9 mm petit 20 cartouches petit zam ça yo nous souvent joindre propriétaire mais vraiment moun kap pote bon gens zam en dans territoire national là nous pas jamais wè qui côté dossier ça yo passé nous pas jamais joine moun qui accusé la police toujours gagne une enquête qui a poursuivre mais qui pas jamais joine définitivement yon bout alors question que en pile moun a posé c'est pour qui ça c'est tizam ça yo souvent a joine mettre yo pendant ce temps gros zam fond fois bien louyo moun pas jamais ka joine bout zam sa yo moun pa jam ka joine vrai met zam sa yo malgré nous connaît en pile moun toujours a critiquer l'état haïtien en tant que grand autorité dans l'état haïtien kap fè zam entre sous territoire national là illégalement moun sa yo c'est moun qui toujours été anonyme moun sa yo c'est moun l'état pa jam bay moun sa yo vraiment alors population haïtienne a demandé est-ce que c'est seulement l'état retrouve ti zam sa yo peuple haïtien capable informer de ça alors pour qui ça peuple haïtien lui-même li pa informé l'état retrouvé des grands armes dans conteneur déjà nous connaît Haïti son pays qui pas fabrique armes déjà nous connaît Haïti c'est un pays tout qui pas qu'on marche fait à ça il y a marchand d'armes avec l'autre pays mais ça pas empêché gen en pile bandi dans pays qui gen des grands armes fond fois dans mais et nek ça au même tout yo souvent a mettre yo en face la police yo façon pour yo ta fait quoi yo même yo gen pi gros armes dans mais yo que la police malgré gen en pile dans yo qui a témoigner fait connait que zam sak nan mais yo c'est grand autorité qui bayol déjà nous connait nek ça pas gen zam pour pas gen cob pour acheter zam ça yo alors nek ça on a demandé pour qui ça l'état lui-même pas ka pour des bons gens enquête avec nek sa yo kap fè zam entrer dans pays malgré nous connaissons pays qui chargé avec corruption mais ça pas empêché chaque les nèg yo retrouvé un petit 9 mm yon petit calibre et on prend nèg yo toujours a prend micro la presse pour dire que yo fait un arrimage mais pour qui ça les yo trouvé des grands armes à feu yo pas prend micro la presse pour annoncer population haïtienne que yo kembe yon moun kap essayer fè zam entrer illégalement en dans pays a. Ou même qui gagne un commentaire ou même qui gagne un bagage ou dit en dedans dossier ça pas oublier quitter un commentaire pour dire nous qui sont penser dans genre de enquête ça police nationale pas jamais pas mener dans genre de bagage ça pas jamais pas prendre micro la presse pour dire que et DCPJ arrive mettre en bas code des monde qui entre avec exam illégal dans pays ya mais des monde nous connaît qui entre avec des grands cargaison pour qui ça DCPJ pas jamais montrer vrai visage et pour qui ça tout pas jamais un arrimage qui fait pour arriver mettre en bas code moun sa yo kap essayer fait zam entrer illégalement sous territoire national là. Quittez un commentaire pour parler avec nous tout, quittez un commentaire pour voir un message by président Jovenel Moïse, yon commentaire pour voir un message by DG Léon Charles. Déjà nous remercier ou même kap gade vidéo ça ou même qui va le partager ou même qui va le quitter un commentaire et déjà ou même tout qui prend le soin garder vidéo ça, déjà nous remercier et ou même kap gade la vidéo qui poko abonner avec chaîne là encore une fois n'a invité ou abonner avec chaîne là pour nous capable à grandir communauté Genangier. Qui a fait informer la population, c'est la police tout qui a fait informer. Parce que la journaliste a dit qu'on côté la vive en réalité pour qu'on gagne la police. Mais l'elle relate et comme fait au niveau radio, rapidement, lui permet que nous informer pour que nous agissions. Pas gagner. Yon ou écart ou du moins pas gagné entre nous-mêmes et la presse pas gagné et question nous parler journalistes c'est des frères c'est des sœurs c'est des partenaires pour nous en matière de sécurité et n'a continué
quoi dans collaboration ça qui a porté c'est certain capable gien des écarts au niveau la police capable tout gien des écarts tout au niveau certains journalistes mais dès que ça arrivé nous traiter au niveau inspection générale parce que en toute transparence nous croyons que nos sociétés démocratiques la presse gagne en fonction qui sont fonction de critique et l'a exercé fonction ça depuis des années et grand pile qui victime pour que yo capable permettre que yo jouit de ça de à qui ça yo. Et c'est nous mêmes au niveau de la police pour accompagner yo et pour que nous mettons ensemble pour que nous capables ensemble pour nous combattre phénomène insécurité phénomène qui